Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je propose qu'on commence gentiment maintenant, comme ça on a le temps pour les présentations et il n'y a pas de stress. On va commencer avec en mots du président de l'espace Dickens, Monsieur González, bienvenue. Bonsoir. Ah, c'est un plaisir. Je trouve qu'une des meilleures choses que l'espace Dickens a démarré cette année, c'est cette collaboration. Et cette occasion de voir qu'est-ce qui se fait dans les tours d'ivoire de nos centres de recherche. Et vous n'êtes pas des petits monstres avec des centaines, etc. Non, vous êtes des gens... Je ne sais pas si ça a quelque chose qui va sauter. Non, c'est bon. OK ? On sait jamais. À la fin, vous faites un clic et on oublie tout. Parfait. Parfait. Je voudrais vous saluer avec quelque chose qui m'a... Je côtoie les gens du musée romain. Et ils sont en train d'inventer une exposition sur qu'est-ce qu'ils pourraient trouver les archéologues en 5034. Ah, ça, c'est une bonne question. Et ça m'a tourlupiné dans la tête. Qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut laisser pour les autres? À part toute la partie dystopique qui nous est annoncée si on ne fait rien actuellement. Mais en fait, c'est votre travail. C'est ce que vous faites. Mine de rien, petit à petit, que des fois on pense que c'est anodin, que ce n'est pas important. Mais oui, c'est important et on est très fiers, très contents de vous avoir ici. Voilà. Bienvenue.